vous allez bien? On se retrouve aujourd'hui avec Lumina de Mon Japon à moi. Et voilà, donc c'est la deuxième fois que vous la voyez. Donc au premier challenge, c'était pas fantastique. Donc aujourd'hui, on l'a pas invité pour un challenge, on l'a invité pour un tag. Yes. Bon, alors c'est totalement un truc inventé de ma part. C'est plus un portrait de lecteur. Et donc je vais lui poser des questions, elle va nous répondre. Et on va voir si elle est aussi bizarre que ses lectures. Alors j'ai mon petit carnet, hein. Moi j'ai un petit carnet à idées. Donc, quel est ton livre préféré? Facile ça, Harry Potter. Et si je dois choisir entre les 7? Ouais. Ça se complique. Je dirais l'école des sorciers, puisque c'est le premier, celui qui nous plonge dans l'univers d'Harry Potter. C'est enfantin, mais je crois que je l'ai lu au moins 20 fois. Voilà. Bon, sympa la réponse. Donc, quel est ton auteur préféré? Ouais. Déjà là, elle bug à la deuxième question. Oui, parce que j'en aurai 3. Non, 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 non. Ton auteur préféré? Ah, c'est dur. Ben, je dirais du coup J.K. Rowling. Ah, c'était sûr. Non, mais j'hésitais parce que les Amélie Nothomb, je peux les lire super facilement, donc c'est une auteure que j'adore. Mais J.K. Rowling, c'est tout, c'est la déesse, c'est Joe. Et Tolkien, j'y avais pensé, mais il est très difficile à lire, donc c'est pas mon préféré. J'aime bien décortiquer les livres de Tolkien, mais c'est super dur. Donc voilà, J.K. Rowling. J.K. Rowling. Quel est le dernier livre que tu as lu? C'est pas un truc que tu m'as prêté. Ah, je sais pas, tu lis ce que tu veux. Tu sais pas quel est le dernier livre que tu as lu? Si, c'est le dernier, Amélie Nothomb. Non, pas le dernier, justement. Mais c'était Amélie Nothomb. Mince. Ah, ça rappelle, hein. C'était il y a longtemps, on dirait. Non, non, c'est pas Amélie Nothomb. Oh là là. Non, j'explique. J'ai 3 livres en ce moment qui sont ouverts. Non, mais ouais. Lu, le dernier livre, lu. Le dernier que j'ai fini, c'est quoi? Je ne sais plus le titre, je te donnerai l'information, tu mettras en bas. C'est la dèche, c'est la dèche. Mais c'est celui que je t'ai rendu en plus. Ah, celui sur la Chine, quand elle est en Chine? Non. Non, en Chine, ça fait longtemps que j'ai lu ça. Ben, je vois pas ce que c'est, hein. Non, mais c'est le dernier que j'ai acheté, que je t'ai prêté. Oui, mais j'ai pas lu. Si tu sais pas ce que toi tu as lu. Non, mais le titre, au moins le titre. Ben, il faut que tu ailles voir dans la. Bon, elle a fini par trouver dans ma pile à lire. Voilà, c'est la nostalgie heureuse d'Amélie Nothomb. Tu es sûre que tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. C'est son retour. En fait, on sait pas si elle a vraiment lu. Hein. Si, c'est son retour. Elle dit qu'elle a lu, mais elle connaît pas le titre, elle sait plus que c'est le Japon et tout ça. Alors, si tu devais écrire un livre, quel serait son titre? Moi par moi. Ok. Une autobiographie. Non, je veux le titre, je veux pas le titre du livre, je veux le titre. Au-delà des rêves. Au-delà des rêves. Suivez bientôt, vous serez dans les bacs. Au-delà des rêves. Ah, dans les bacs. Dans toutes les bonnes librairies. Au-delà des rêves. Si tu devais écrire un livre sur toi, quel en serait le titre? Moi par moi. Comme Gilles de Rueil-Lockhart. Ça c'est du même niveau que Gilles de Rueil-Lockhart pour ceux qui savent. Ça sera à peu près du même niveau d'ailleurs. La couleur préférée de Lumina. Tu restes à cette réponse là, moi par moi? D'accord. Un livre sur moi, sur mes passions. Sur ben, notamment le Japon. Donc ouais, ce serait... Je sais pas s'il y aurait un titre particulier. Ah, mais je te demande le titre, hein, je te demande pas... Mon Japon à moi. Voilà. Ouais, voilà. Ok. Restons sur ce titre. Alors, le personnage de livre préféré. Quel est ton personnage de livre préféré?
Pour une fois, je vais changer. Je vais pas partir sur Harry Potter. Innovons. Je dirais... Martine. Ça dépend, quelle Martine. Elle est un peu tendancieuse, celle-là aussi. Non. Un personnage. J'ai pas forcément de personnage préféré, en fait. Non, mais si... Elle peut pas juste répondre aux questions, quoi. Non, le personnage, il m'en faut un personnage préféré de livre. Ouais, mais c'est pas si simple. Mais si, c'est simple. Non, c'est pas simple. Parce que... Putain, mais il y a tellement... Bon, en plus, je me force à penser à autre chose qu'Harry Potter. Mais t'as le droit de dire Harry Potter, c'est quoi ce délire-là? Ben non. T'es binaire, t'es binaire. Merci. Ben quoi? Non. Allez, je dirais... Bilbo. Non, Bilbo le Hobbit. Et tu as lu ce livre? Oui, je l'ai lu. Ah d'accord, bon, oh, on sait jamais, parce qu'elle vous dit Amélie Nothomb, elle connaît pas le titre, elle connaît pas l'histoire, elle dit Bilbo, peut-être que... Oui, j'ai lu Bilbo. Donc Bilbo, alors. Ouais. Allez, on garde ça. Alors, un livre, donne-moi un livre que tu rêverais d'avoir. C'est pas que j'ai rêve d'avoir parce que je l'ai jamais eu, c'est juste qu'on me l'a piqué et que je l'ai pu. C'est Les Enfants de Hurin, de Tolkien. Donc tu rêverais de l'avoir. De, voilà, de l'avoir dans ma bibliothèque, parce que c'est un bon livre de Tolkien, qui est plutôt facile à lire. Ben, après c'est Christopher qui l'a repris. Et en plus il était super beau, et j'ai eu le malheur de prêter mon livre, et il n'est jamais revenu. Donc toi, si tu me vois, ramène mon livre, je sais qui tu es. On te poursuivra, on te pourchassera, ouais. Ta vie sera un enfer. Regarde dans tous les coins. On sera là. Non, pas dans les coins. Hein. On rentre pas dans les coins. Alors. Et toi d'ailleurs? Non, c'est juste un portrait d'un lecteur et. Non. La vingt-deuxième question. Alors, quel est le livre de ta bibliothèque dont tu es le plus fier? Elle n'a pas de bibliothèque. Si, j'ai une bibliothèque. Mais t'es méchante quand tu veux. Mais non, mais ça là. Genre, toi dans tout ça, tu sais déjà lequel tu es le plus fier. Pas si simple. Si, il y en a un en tête en fait. Mais j'aurais pas pensé à celui-là, mais c'est venu tout seul. C'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut pas trop réfléchir, faut que ça vienne. C'est le livre dont tu es le plus fier aujourd'hui. Te demande pas ça. Enfin, c'est pas une réponse pour toute ta vie éternelle quoi. T'as le droit de changer demain. Mais aujourd'hui, quel est le livre dont tu es le plus fier? Je suis trop réfléchie pour ça. Donc en fait, j'ai fait un montage, j'ai coupé, ça fait 500 ans qu'elle réfléchit, hein, d'accord? Donc, d'ailleurs, ce sont des mangas. Bah vas-y! Ma collection de City Hunter, enfin, Nicky Larson. Les avoir tous, la première édition, j'adore. Ok! Ça va être compliqué pour la dernière question, donc quel est dans ta bibliothèque le livre dont tu as le plus honte? Oula! J'ai pas Barbie. Barbie? Ah, Barbie? J'ai même pas en fait. J'ai jamais eu de Barbie. Alors? C'est un livre d'école que j'ai détesté et donc j'ai écrit dedans. C'est, comment ça s'appelle ça? Le Boris Vian, L'écume des jours. Horrible. Horrible. Donc j'ai écrit dedans. Ok, donc, question bonus, si tu devais te décrire en tant que lectrice en trois mots, tu dirais quoi? En trois mots, fantastique, paresseuse, indécise. Ça reflète un petit peu cette vidéo! Indécise, un peu paresseuse. Bon, je vous mettrai les questions dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir et puis répondre si vous avez envie. Ou sinon, peut-être que vous aurez envie de venir dans une de mes vidéos pour répondre au portrait de lecteur. Et sur ce, est-ce que tu as un mot de la fin? Abonnez-vous. Bon, d'accord. Bon, j'espère... Hashtag ici Japon. Ouais. Il peut venir s'il veut. Thème, tu viens? Sébastien, tu viens? Bon, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que
si vous voulez répondre aux questions, sinon, ceux qui sont de la Réunion, faites-moi un coucou et on fera la vidéo ensemble. Et sinon, à ciao, bye les amis!